Salut les Martiens, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur mon défi, voilà, le troisième épisode de mon défi. Pour ceux qui n'ont pas suivi, c'est une victoire, un item en moins. Donc à chaque victoire que je fais, j'enlève un item et on voit jusqu'à combien de victoires on peut aller. Dès qu'on perd, bien sûr, c'est la défaite. Donc on est en compagnie de Zenkai, un Enuter, et de Gaja, enfin du coup Daja. Qui est en Yop Feu. Donc voilà, on est et on est contre un Kra, un Steam et un Enu. On va mettre des gros dégâts dès le début. Hein. On est bien parti pour. On a une team quand même assez équilibrée. En face, il y a quand même pas mal de level d'écart, mais bon. On va dire que c'est bon. Il y a combien de reste-feu là? Oh là là, l'estimation. Il est en malus, ou quoi? Ah non, mais il a que 6%. Ok, propre. Hop, on va entamer ça direct. Hop là, voilà. Là, on est plutôt pas mal. On a mis déjà des grosses patates au... Des grosses patates au steamer. Donc, en espérant que ça continue comme ça. Qui m'a mis quelques dégâts mais sans plus. Je pense que là en vrai le steamer joue pas. Je pense que si on donne tout le steamer il joue pas directement genre. Hop. Ouais y a fortement moyen qu'il joue pas. Ouais. 800 HP. 800 HP, y a moyen que. Que bah Gaja il est fait en vrai. Largement même. L'ennemi peut pas corruter un. Il va faire quoi? Il va aller sac son. Il peut aller sac son steamer. Après là on est vraiment parti sur un début de game assez agressif. Hein. Il soigne peut-être? Non, ok. Juste pour ça, mais si le sac il reste trop proche. Ok, il tacle pas. La question c'est est-ce qu'il sauve dans tous les cas, même s'il sauve pas, moi je finis derrière. Enfin, même s'il sauve, moi je finis derrière. Donc là, il a un peu gâché son sac pour rien, à mon avis. Hop. Ok. Un ti. Concentration. Et il tacle. Ok, il lui reste 400 HP. Le mieux à faire pour lui, c'est de tout donner sur moi, je pense. Ce serait le meilleur play à faire de sa part. Ce serait vraiment le meilleur play à faire de sa part. Ok. Ouah, il tape, hein. Il tape de ouf. Ok, donc il a tout donné sur moi. Moi, ce que je vais faire, ça. Compliqué. 30-40, il a combien? 105. Bon, on va assurer le kill et on va laisser notre cher ami Zenkai s'occuper du soutien si je meurs pas. 600 HP, il y a moyen qu'il me les tombe. Hein. C'est du 1 pour 1. Il est feu. Ah, je sais pas s'il les tombe. Ah si. Bon, c'est pas bien grave. Assez expéditif, hein. On va voir comment ce que ça donne. Après, j'ai des items en moins.
Donc en vrai, il m'aurait jamais tombé et j'aurais kill du premier coup le steamer sans ça. Hein. Rien que la muette en terre, ça fait une diff énorme. Là, la retraite, elle me paraît pas mal en vrai. Hein. La retraite, elle me paraît pas mal. Ok, il lui reste des perles là? Non, ok. Bon, c'est quand même assez propre. C'est assez propre. Franchement, franchement, la game ça va, elle se passe bien en vrai. Là, l'ennemi en face, il peut pas faire grand chose à part caler peut-être une libé. Ouais, voilà. Donc, c'est un ennemi haut en face. Ennemi haut qui va revenir à la mode, hein. Vous avez eu l'appel massacrante maintenant. C'est un autre level. Il a quand même mis notre job dans le dur. Après, Gaja, il a pas encore mis sa puissance, donc en vrai, ça va. Et puis là, il va pouvoir mettre une sentence en vrai à distance. Puissance, sentence, précis, épée. Un truc comme ça, moi je vois bien un truc comme ça. Et en plus, derrière, il y a Zen qui peut continuer à le soigner un peu avec le coffre. En plus, il a la zone sentence. Voilà, parfait pour la régène. Ouais, c'est ça, précis, épais et... Précis, épais et je sais pas. Mais non, non, ça sert à rien de s'abriter là, go taper et puis... Et en plus, il est en pesanteur. Donc ça avait aucun sens. Mais j'avoue qu'une friction aurait été pas mal là, pour le coup. Bon, c'est le premier jour des nouvelles classes, donc on va pas leur en tenir rigueur, mais... Après, on tombe compte des levels, bah, par lui. Ouais, presque 200 le nu. Il y a 198, tu m'étonnes qu'il tape super fort. Tu m'étonnes qu'il tape super fort, le bonhomme. Hop. Le sac, ouais, j'aurais fait ça aussi. Est-ce qu'il a monté la... Bonne question. Est-ce qu'il a monté la... Le roulage de pelle? Non, je pense pas. Bon, il a le remblé. Ça fait pas beaucoup de dégâts, mais il a le remblé quand même. Bon, est-ce que ça joue ou pas, du coup. Ok. Allez, mais vraiment des... C'est vraiment un bon soin, hein, le coffre du Nunu, là, maintenant. Il est que niveau 5, en plus. Ça soigne vraiment bien. C'est vraiment pas mal. J'aime beaucoup. Paquebot. Les Nutrophes. Ok, il repousse... Il repousse Gaja. Il lui a pas mis de dégâts pour l'instant. Grâce au sac. Et lui, il est pas si bien que ça. Donc on va voir si Gaja il arrive à l'attraper juste après. Avec un bon et une précis, normalement il devrait pouvoir l'avoir tranquillou. Bon, précis, fini là. Ok, ça termine le coffre. Il a même pas bon en vrai. Il a direct là. Quoique non, c'est un bug d'affi ça, parce qu'il a jamais là en vrai. On va voir.
On va voir, on va voir. Il va l'avoir avec bon. Ok. Il a pas chargé de coco, rien. En même temps, on s'est un peu mis dans la précipitation là dès le départ. À Rox comme des tarés. 9 PA. Il peut faire pression triple anti. Hein. Pression. Concentration double anti. Je sais pas. Ok. Ok. Ça met des dégâts. Bon, comme ça, ça passe aussi. Hein. Comme ça, ça passe aussi. Le Nunu qui est vraiment pas bien. Ben ouais, il aurait dû rester caché par contre. Il y a des plays que je comprends pas de ouf, mais bon. C'est pas grave. On va faire comme si. Voilà. Le frérot d'Aja, t'as fait une petite erreur de placement, mon frérot, c'est pas très grave. Bah, c'est pas grave du tout, même, hein, juste, voilà. Ça aurait pu être évité. Question, est-ce que Zenk, avec une Axel... Il finit les nus. Qu'est-ce qu'il fait? Ouais, mais là, il finit jamais les nus. 321 HP. Wow. Oh là là, horrible, horrible. Bon, c'est pas grave. Du coup, nous, notre Nunu, il est corrupt. Normalement, leur Nunu, il est mort. Hein. Et ça va être Kra contre Enuyob. Donc, normalement, sur le papier, on a la victoire. On a la victoire, mais c'est que sur le papier. Hein. Parce que il perd combien? 680. Bon, il va pas lui mettre 1005, mais bon. Enfin, 1004. Compliqué la game là. Ça me paraît assez compliqué là, la fin de la game. Enfin, normalement on gagne, hein, mais si Zenka il arrive à gérer le truc. En plus, c'est un 153 en face, qu'ils me disent pas qu'il n'y arrive pas. Il est quand même corrupt, donc il va devoir rush. Normalement c'est GG de toute façon là. Il a 40% de terre et il a quasiment zéro dans les autres éléments quoi. C'est un truc de ouf. Oh là là, qu'est-ce qu'il raconte le Zenk? Allez, vas-y, go. Comment ça, ça a été fixe? Normalement, la courrie, elle est dure quand même. Hein. Elle marche quand même. Hein. Qu'est-ce qu'il fait? Bon, c'est pas grave. Le Zenk en colis, c'est quelque chose hein, quand même, frérot. Faut te concentrer, ma gueule. Hein. Faut te concentrer, mon frérot. Ok, le Kralak est bloqué. Donc, logiquement, il finit pas de suite.
notre chiop. Et il finit pas du tout d'ailleurs, parce que normalement, tour pro, ils vont le tomber. Hein. Enfin, peut-être pas tour pro, mais celui d'après. On va voir comment ça se passe, en espérant que ce soit pas trop trop long. En attendant, le trade kill était intéressant hein, au début du combat, parce qu'en vrai, le steamer, il aurait été très problématique. Il mettait vraiment des gros gros dégâts, du 600, du 600 au ressac. C'est trop. C'est trop, il tapait trop fort. En vrai, sans ça, j'aurais survécu super longtemps. Et on pouvait pas se permettre de laisser encore en vie tout le monde, là, c'est bon. C'est la foire, après. Bon, voilà, ça c'est fait. Il a couru, du coup. Ouais, il dit ça, mais... littéralement, j'ai deux items en moins. Littéralement, là, sur ce combat, j'avais deux items en moins. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'ils ont pu me tomber aussi vite. Mais ouais. Non, en vrai, le stuff du Kra, il est à peu près similaire au mien, hein, je pense. Opportuniste. Hop. Allez, le Zenk. Finissons-en. En tout cas, j'espère que le concept vous plaît. Si c'est le cas, n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire. Et puis voilà, hein, prochain item, du coup, on va retirer. Qu'est-ce qu'on pourrait retirer de beau? On va retirer le familier. Voilà. On va retirer le familier, c'est. On perd 162 caracs comme ça, donc c'est cool. On va quand même vérifier. On va perdre 160 d'intel et on va regagner 100 points de vie. Donc c'est assez cool. C'est pas mal. On récupère 100 points de vie vu qu'on n'avait pas trop d'HP là à cause de la perte des stuffs et tout. C'est vraiment pas mal. On perd environ 150 HP sans le bouclier, etc. Donc franchement, c'est vraiment pas mal. Ce concept, moi, il me plaît énormément. Je sais pas pour vous, vous me direz, on vous retrouve en commentaire. De toute façon, vous me l'aurez sûrement dit sur les commentaires des premières, de la première et de la deuxième vidéo, vu que je les tourne. Enfin, là, en gros, je tourne cette vidéo le jour où la première sort. Donc, logiquement, voilà. La première, elle était avant la refonte, celle-là, et après. Donc, voilà, c'est comme ça permet de voir un peu de colis à tous les levels. Avec les nouvelles classes et tout, en sachant que là j'ai vu beaucoup de Diop, Eka et Enu, hein, ce qui est normal, ils testent. Allez, le Zenk, mets des dégâts. Il finit pas, mais c'est pas grave, Gaja qui va finir. C'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. C'était Mars, ciao ciao.